dernièrement la chapelle du collège, à chaque fois avec la même fascination. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je peux ajouter de plus dans cette chapelle, puisqu'elle me paraît absolument exceptionnelle à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc harmonieuse, lumineuse. Je suis aussi extrêmement éprise de son agencement de briques associé à la pierre et de son élévation et du tout extrêmement raffiné. C'est en allant visiter donc Sylvie Ourrier à Valenciennes que nous avons eu l'occasion de parler de cette chapelle et on s'est dit pourquoi pas, pourquoi ne pas tenter de faire quelque chose ensemble. On a été invité par l'association Fluxlem et par la ville d'Eu dans un lieu vraiment magnifique. Cette chapelle m'a vraiment bouleversée et exposée ici, c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Je travaille beaucoup avec les rencontres des matériaux. Grâce à ces rencontres, je peux travailler dans l'espace et moi je suis avant tout quelqu'un qui travaille le volume et de plus en plus je me dirige vers les installations. Ce qui nous lie, c'est peut-être un rapport à la ligne, un rapport quand même à la répétition de motifs et aussi là en l'occurrence un rapport à des matériaux qui sont assez similaires. Toutes les deux, nous avons un intérêt pour la broderie, la dentelle, le textile. Étant plasticienne, au quotidien, je travaille avec les éléments proches du corps, que je détourne de leur fonction. Et pour ce duo avec Dominique Debert, j'ai choisi d'utiliser les charlottes industrielles avec une couleur très spécifique par rapport justement à tout ce qu'on veut faire passer dans notre installation. Et j'ai plongé pendant 4 mois là, dans l'histoire de la princesse de Clèves et de son mari, le duc de Guise, où on parle beaucoup des guerres de religion. Voilà. C'est pour ça que je suis partie sur des couleurs très très intenses, et c'est pour ça que je suis partie sur des choses, des éléments suspendus. Des éléments suspendus par des volumes, par des pendaisons. Je présente des besaces, des contenants, qui sont à la base des chemises de nuit, toujours un élément proche du corps. Et je l'ai choisi en satin, parce que le satin, proche de la princesse de Clèves, un satin, c'est quelque chose de très esthétique, qui fonctionne bien avec elle, je pense. J'installe là sur le sol, je déploie sous la forme de sillon ce rouleau, qui à l'origine est un carton jacquard, donc c'est un... En fait, ce sont des rouleaux dont on se servait comme modèle de broderie et que l'on mettait dans les machines, dans les métiers à tisser. Donc, comme aujourd'hui, c'est devenu complètement obsolète, nous essayons en fait, de casser la linéarité et on en fait une sorte de broderie à part entière. Et c'est une sorte d'écho, on va dire, à la fraise, aux fraises de Catherine de Clèves et son mari, le duc de Guise, qui, sur les mausolées, ont chacun en tenue vestimentaire une fraise taillée dans le marbre. Donc on retravaille à notre manière, on va dire, le pli. Donc moi, je les mets dans la chapelle comme justement une sorte de parole sombre, parole absente, parole, voilà, comme ça, en sourdine. Et j'en fais des dentelles à part entière. Ajouter à ces rouleaux des croisillons qui sont de la même hauteur. Ce sont des croisillons en carton que j'ai peint aussi de couleur rouge et qui à l'origine servait à ranger des bouteilles de vin dans des caisses en carton. Moi je les associe évidemment au domaine liturgique, donc au sang et bien sûr voilà, au sang du Christ et aussi à une période de l'histoire, donc liée à la construction de la chapelle où il y a eu énormément d'événements historiques meurtriers. Souvent dans mon travail, on y projette un monde animalier, des évocations du monde animalier ou du monde aquatique. Et je parle beaucoup de l'être humain, de la chair, et c'est omniprésent encore dans cette installation. Tout ça, c'est très très présent toujours. Donc j'ai une pratique depuis environ plus d'une vingtaine d'années. Donc il y a quand même eu un événement moteur et déclencheur dans mon travail qui est vraiment lié à une histoire personnelle, qui a été l'apprentissage du braille.
Et cet apprentissage a été une ouverture énorme sur ce que je fais depuis cette période, c'est-à-dire affirmer des œuvres à caractère extrêmement tactile, inventer des sortes d'alphabets, créer de nouveaux langages. Donc j'essaie de créer quand même des tensions entre parfois des sensations plutôt, on va dire, agréables à l'œil, au toucher, des ressentis comme ça assez forts, mais toujours une tension, quelque chose d'agréable et de désagréable. C'est un travail, on va dire, à quatre mains, même si nous avons travaillé chacune de notre côté, beaucoup. C'est aujourd'hui, en installant ensemble, que nous réussissons à unir nos deux pratiques. On s'est vu beaucoup de fois, on a beaucoup discuté du projet et on est revenu beaucoup de fois sur le lieu pour bien sentir les problématiques qu'on pouvait rencontrer. Puis je pense qu'on a eu les mêmes chocs esthétiques dans la chapelle. Donc toutes les deux, on a aussitôt été bouleversées par les mausolées avec les fraises, les collerettes. Donc cette question du pli comme ça taillé dans le marbre, ça c'est vraiment ce qui nous a arrêtés.